Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre run Legend of Keeper avec Maug l'esclavagiste. On se retrouve pour continuer notre aventure et on accueille plein de nouvelles personnes aujourd'hui. On a des monstres qui aiment, n'est-ce pas, répandre la tripaille des héros qui ont l'audace de venir nous emmerder chez nous. On a donc Marguerite Thatcher, on a Quack le canard, on a Chobity, on a Malvin le corrompu, on a Grom la panse, Grognark le boucher, le comte d'Aminula, on a Doom, on a Pispousse également, et Damned l'écorché. Il y a encore des noms à donner qui sont en attente, en attendant que j'ai des personnages adéquats, et il y a aussi des personnes qui ne sont pas nommées, donc n'hésitez pas à laisser quelques petits noms, que ce soit sur le Discord ou sur les commentaires, je les prendrai en compte. Et on avait donc encore 2 semaines avant de faire un combat. Alors j'ai dû passer une semaine avec un événement qui faisait rien pour sauvegarder les noms. Parce que les noms ne sont pas sauvegardés... Enfin, le jeu est sauvegardé en fait que quand on fait des événements pour éviter les exploits. Du coup... On a choix, on pourrait avoir un alchimiste pour avoir quelques larmes. Je suis pas sûr que ce soit très utile. On va prendre l'événement... Alors, vous êtes convié à un déjeuner d'entreprise avec vos employés, ils scandent votre nom au moment où c'est votre tour de payer une tournée, qu'allez-vous leur offrir? On va leur offrir une boisson, ça va nous aider vis-à-vis justement du moral qui était un petit peu tendu. Ouais, tout le monde est un petit peu plus revenu au coude à coude. Et là, alors, au niveau des monstres... Est-ce qu'on peut se permettre un déplacement? On va devoir enlever Grom, remettre Damned. Même si on en perd un, on devrait avoir ce qu'il faut. Donc ouais, non. On va pouvoir se permettre un déplacement. Regardez un peu ce qu'on a. Alors, on peut envoyer Grom justement. On gagne un petit peu de sous. Il gagne 2 de motivation, ça peut être pas mal. On peut envoyer Doom pour se faire quelques larmes. Ou alors, on envoie Quack pendant 14 semaines et qu'est-ce qu'on gagne? Applique terrifié à tous les héros quand un démon est vaincu. Je commence à regretter d'avoir pris cet objet, j'ai jamais réussi à bien l'utiliser et j'ai l'impression que je ne vais de nouveau pas bien réussir à l'utiliser. Cela étant... Je pense qu'on va envoyer Doom pour se faire un petit peu de sous et 25 de larmes, 8 semaines c'est acceptable. C'est parti. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir affronter? Des aventuriers qui vont nous donner un bonus de maître. Ça peut être cool, ça. Hein. Ou alors un piège, ou alors un artefact. Un piège et pas mal d'or. Hein. Ou un artefact. Après, on a quoi? Un siège, du pillage. Je pense qu'on va prendre le bonus de maître. Alors, on va organiser un petit peu notre équipe. Donc, Grom se repose. Ici, on a quoi? Plutôt une combo poison, hein. Et quoi qui est là pour tanker. On a Grognak qui est là pour permettre de faire revenir les gens en squelette. Là on met du saignement, lui il peut répandre le saignement. C'est pas mal, c'est pas ultra opti, mais sur des aventuriers ça devrait largement le faire. J'aime bien cette nouvelle fonctionnalité de voir un peu ce qu'on va pouvoir gagner, ça permet de se dire ça vaut quand même le coup de choisir les aventuriers alors que sinon réellement on le faisait jamais parce qu'il n'y avait pas vraiment de raison de le faire quoi. Alors, on a un disciple, un dégât de glace à l'avant et il met gelure si la vie de la cible est inférieure à 50, très très bien. Il retire une fois le malus ayant le plus de cumul appliqué à tous les héros au début de son tour, ok. Et il restitue 2% du maximum de morale des héros au début de chaque tour. D'accord. Mais il a une armure pourrie. Par contre, il a une bonne résistance à la nature. Ça fait chier. Ici, on a quoi? Ah, celui qui mélange les monstres au début. Bon, ok. Et là, dégâts de feu à l'avant. Donc ça veut dire que théoriquement, celui qui est derrière pourrait profiter à fond de la pilule miraculeuse, puisqu'il va pas être ciblé. Sauf que comme on a lui qui mélange, celui qui est derrière pourra très bien se retrouver devant. Ce qui est un peu emmerdant, faut dire ce qui est. Alors est-ce qu'on a quelqu'un avec une résistance descente? Faudrait que ce soit lui éventuellement qui soit devant, il a une bonne résistance à la glace et... Pas de résistance au feu, mais au moins c'est pas un malus quoi. Ce qui veut dire qu'on va le mettre là, en espérant qu'il se retrouve devant.
J'ai bien envie de prendre un peu de physique, mais on a vraiment pas de physique quoi. Après là on a des dégâts de feu. On a des dégâts de feu, donc ça reste intéressant quand même sur lui d'avoir du dégât de feu. On va laisser tomber le poison, hein. On va laisser tomber le poison, puis on va essayer de mettre feu et physique sur sa tronche là, hein. Les dégâts de nature, du coup on les fera peut-être plutôt à l'arrière avec lui pour commencer à lui faire un peu de dégâts. Du coup on voudrait qui derrière? Lui s'il faisait deux attaques de dégâts physiques, je pense que ça serait plutôt efficace. Donc on va le mettre devant. Non, on va le mettre derrière pour qu'il ait le bonus et on va espérer qu'il se retrouvera pas devant. Et Chobiti, on va surtout pas qu'elle soit devant avec son moins 50 de glace, donc on va la mettre tout devant. C'est bon pour ça. Ensuite, de la glace. Ouais, du poison. Après, on va voir notre sort. Du feu devant, ouais, ça pourrait être pas mal. Alors, du feu à l'arrière, c'est tout naze. Non, eux, ils ont une très bonne résistance au feu, mais on pourra mettre brûlure sur celui-là. Ça pourrait être utile. Du coup, on va mettre de la gelure. L'avantage de la gelure, c'est que c'est du pourcentage de vie, donc c'est toujours intéressant. Et là, on va mettre du poison. Hop. Alors ici, donc lui normalement aura fait son mélange. Donc on va mettre devant quelqu'un qui résiste plutôt bien. Bah ça va être Grognark, hein. Résistance au feu, résistance à la glace, il va aller devant. Bon, il a pas énormément de vie, mais tant pis. Alors c'est un peu dommage parce qu'il faudrait qu'il soit capable de... Il faudrait qu'il reste en vie si on veut ressusciter les gens en termes de squelette, donc on va pas le mettre devant en fait. On va mettre Damned devant. On va mettre le comte derrière pour qu'il bénéficie de la pilule miraculeuse, il va faire très très mal. Et Grognark, on va le mettre au milieu. Parce qu'avec ses dégâts de brûlure, clairement, ses dégâts de feu sur ces deux-là, ça va être tout pourri. Hein. Ok, c'est parti. Voyons ça. Alors, il va nous mélanger. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi elle qui fait chier là. Bah, c'est lui qui se retrouve devant, plutôt pas mal. Alors, bah, on va commencer par faire un petit peu de zizanie à l'arrière. Hop. En plus, il a gagné une résistance améliorée, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, on va faire un peu de dégâts. Oh, putain, lui, il va prendre cher. Ne meurs pas, faut qu'on utilise au moins une fois ton coup, ce serait cool. Allez, boum. Et boum. Voilà. Le premier on met armure brisée, le deuxième on dépote. Et là on pourrait faire ça pour répandre le malus d'armure brisée. C'est franchement pas très très utile. Les dégâts sont minimes, on va continuer de faire un petit peu de DPS à l'arrière. Et là, on va être capable de faire un petit peu de dégâts de feu avant de mourir. Parce que là, la glace a piqué. Ah, voilà. Attends, on a perdu nos ailes quoi. Hop là, un petit peu de gelure, ça fait toujours plaisir. Lui, on va continuer de le travailler au corps avec un coup de fouet enflammé. Normalement, s'il meurt pas au début du prochain combat, il devrait mourir à la première attaque. Mais je pense qu'il va crever, direct. Enfin, cela dit, il va mettre un certain temps avant d'attaquer. Donc, c'est presque dommage de le tuer. Après, est-ce qu'on va être capable de reprendre une attaque? Là, on va prendre la 0 de résistance au feu. Oui, parce qu'on a résistance améliorée, c'est cool. Ça fait bien plaisir. Est-ce que je mettrais pas un petit hurlement? Lui va mourir de toute façon. Ouh, le vampire qui est quasiment mort. Oh, il veut pas crever ce con. C'est relou. Bah tant pis, hein, on va le finir comme ça, hein, c'est dommage, mais bon. Vu qu'on a une deuxième attaque, ça reste quand même rentable. Là du coup, on va finir celui-là.
Hop. Reviens à la vie, petit squelette. Les flammes de Kane, ça fait rien. Mais ici, deux attaques. Le Contaminula va être capable de la dépiauter. Voilà. Nous avons réussi à protéger le trésor. Alors, on pourra améliorer le fouet enflammé. Mais brûlure 4, on peut gagner de la puissance, on peut améliorer le défi. On va prendre la puissance. Toujours bien un petit peu de puissance. Et on va aller jeter un œil à l'entraînement. Qui peut-on entraîner? On peut entraîner quoi? Qu'on peut entraîner Grognard. Il a une compétence qui transforme tous les monstres du groupe en squelettes aléatoires. D'accord, pourquoi pas. On augmente sa vie de 30. Ah oui. Ça vaut le coup quand même. On va l'entraîner. Et je pense qu'on va entraîner Chobiti aussi, parce qu'on est parti pour pas mal l'utiliser. Appliquer brûlure et poison, ça nous aurait bien servi là. Alors, siège, ça veut dire qu'il faut qu'on lui donne, on loue des pièges à la compagnie. Niveau piège, on est un peu en dèche. Hein. On va prendre un déplacement, on va prendre le piège. Le piège, il y a toujours des trucs cool. Alors, améliorer un piège, ça peut être pas mal. 30% de chance de trouver un artefact, les monstres sont fatigués. Ou alors, on leur donne plus 2 de motivation. Et tous les monstres ont enragé pour le prochain donjon. Alors la motivation n'est pas hyper utile pour les deux premiers, ça pourrait toujours être utile pour Damned. C'est surtout le enragé qui peut être franchement pas mal. Hein. On a des trucs sympas. Alors il faudrait que Pisse-Pousse revienne avant le prochain donjon pour bénéficier du bonus, c'est pas sûr non plus. On va prendre le piège. Donc on a peu de pièges. Ah bon, on améliore niveau 3 celui-là. Par contre, on a Marguerite qui s'est fait blesser. Bah bravo. 3 semaines, il devrait revenir pour le prochain. La formation, on n'a pas la thune. On va donc prendre l'événement. En vous promenant dans les couloirs, vous apercevez un monstre qui attend pour un entretien d'embauche. Vous pourriez l'embaucher sans intermédiaire. D'un autre côté, il n'a rien à faire ici. Azaki, une Futakushi Ona. Je ne connais pas du tout ce personnage. Je connais pas du tout ce monstre. On va l'embaucher. Ça coûte pas cher, 62 de monstre, franchement. On va aller voir ce qu'elle fait de beau dans sa vie. Ah, un fantôme qui fait du moral. Attaque de moral à l'arrière et fatigue. Et dégâts d'air et vulnérable à l'avant. Ah, intéressant, c'est une démon. Ok, on va prendre le déplacement puisqu'on n'a pas de sous. Le pendentif démoniaque, on nous le repropose. On pourrait envoyer Grognark pendant 8 semaines. On va envoyer Grognark pendant 8 semaines pour se refaire un peu de sous. Et on va regarder ce qu'on peut faire. Alors ici on gagne un monstre et très peu d'or. Un bonus de maître et un peu d'or. Ou un monstre et pas mal de sous. On va peut-être se tester les vétérans. Regardons ce qu'on a de beau, de disponible. Alors on pourrait presque commencer à avoir un build moral intéressant. Hein. Alors après, c'est vrai que la combo saignement est également très intéressante ici. Hein. On pourrait les mettre devant. Et là on aurait une bonne combo physique, toi tu vas derrière. Et on pourrait s'occuper de répandre le poison. Et là on a une bonne combo dégâts physiques devant là. Dégâts physiques, saignement. Et ici, on pourra exploiter les gros malus. En sachant que théoriquement, c'est plus intéressant de mettre les gros malus avant, hein, parce qu'ils ont le temps de s'épuiser pendant le donjon. Mais c'est pas grave, j'ai envie de tester comme ça. Et on va se faire les vétérans. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de beau ? Une soigneuse devant, ok, bah on va pouvoir la dépouiller, ça va être assez vite vu. Alors qu'est-ce qu'elle fait de beau? Elle soigne le maximum de vie et elle est immunisée au sort de maître, elle sera morte avant. Je compte sur vous les gars. Ensuite on a quoi? Dégâts physiques, le fameux enragé, toujours un grand classique. Et là les dégâts de feu à l'avant.
Et là, dégâts de nature à l'arrière. Donc il nous faut quelqu'un avec une très bonne résistance à la nature à l'arrière. C'est-à-dire Furbolg. Parce qu'il va prendre la pilule miraculeuse. Il nous faut quelqu'un avec une armure potable et une résistance au feu potable devant. Alors a priori ce serait Marguerite, sauf que même avec ses 20% de résistance, la 52% plus armure brisée et 42 de dégâts de feu, il va se faire défoncer quand même. Donc je pense que on pourrait mettre... Damned. Au moins il est rapide, il va être capable de mettre du saignement avant de mourir, on va voir ça comme ça. Plaçons un piège. Plaçons un piège. Ils ont une très bonne résistance au feu tous. On va mettre notre piège niveau 3. Ici on fera un sort. Et ici. Donc on peut partir du principe qu'elle sera morte. On va donc pouvoir se concentrer sur la nature. Il nous faut de la résistance au feu et de l'armure devant. Bah pour le coup, tant pis, on va mettre Grom. Hein. D'ailleurs, on va mettre Chobiti et on va mettre Malvin à l'arrière. Malvin à l'arrière? Avec la pilule? Ouais, Malvin à l'arrière. Ici, on va mettre le petit nuage de poison. Et on verra s'ils arrivent jusqu'à Moog. Allez, c'est parti. Boum. Alors attention, l'enragé qui va piquer. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Dégâts physiques et on répond le saignement. Hop. Allez, résiste, faut que tu mettes au moins une attaque toi. Ouais, c'est bon. Ça c'est fait. Ça pique. Voilà les dégâts physiques sur lui, voilà, hein, c'est pas vraiment le trip, hein. Clairement. Mais on va quand même avoir moyen de mettre deux coups de fendoir, et ça c'est cool. Et puis bah là on va décéder, hein. Pas de miracle. Mais au moins on s'en est débarrassé d'un et on a mis un petit peu de saignement. On va rajouter ce qu'il faut de gelure. Alors là, on peut leur enlever du moral. Ça peut rester intéressant, sauf que elle soigne le moral, donc c'est quand même un peu chiant. On va prendre le enragé pour le groupe suivant là. Comme ça ils vont vraiment faire mal. Ah ouais, pff, ah putain, personne, ça c'est pas bon ça. Allez, tu vas gentiment décéder. Alors, hop, on répand tous ces petits cumuls. Voilà, parfait. Ouais, l'infection, ouais, complètement. Ils ont des stacks et des stacks là. Ouh, Chobiti qui survit avec 2 PV, attention le challenger quoi. Bon là malheureusement les stacks ne suffiront pas à la tuer. Par contre là il y a moyen. Hein. Et voilà. Oh, dommage, elle aura été tuée à l'usure. C'est un peu dommage. Alors, on a quoi? Un mage sombre. Dégâts de morale. Je suis pas trop fan du mage sombre en général. On a un tambour gobelin. Dégâts d'air et faiblesse à l'air. Et allié implique enragé à tous les monstres du groupe. Ouh, c'est bon ça. Et on a les lutins psychopathes. Qui étaient un monstre de Noël. Hein. Qu'ils ont sorti pour Noël. Alors qu'est-ce qu'ils font? Dégâts physiques et saignement sur tout le monde, ou alors moins 30 de morale, rebondit sur le héros situé derrière la cible si le moral de la cible est inférieur à 50%. Ah, on va prendre les lutins, on est obligé de prendre les lutins.
Alors, on va pouvoir prendre les percepteurs et se faire un peu de thunes. On paye avec notre vie. Après tout, pour l'instant, on s'en tire plutôt bien. Vendre des monstres dont on n'a plus besoin, bah, on est plein, mais est-ce qu'il y a vraiment des monstres dont on se sert pas? Pas vraiment, hein. Donc on va prendre l'événement. Alors, à la peau, vous avez joué à Maison Humain, le célèbre jeu de rôle fantaisiste avec vos employés. Ils y ont appris des choses sur eux-mêmes. Motivation plus 1 pour tous les monstres disponibles. Youpi! Parfait, parfait. Alors, alchimiste. On pourrait se faire un peu d'or avec nos. On va se faire un peu d'or. Et on va équilibrer un petit peu nos larmes et notre sang, vu qu'on a tendance à clairement buter les ennemis. Alors le marchand, on est plein en monstres, et est-ce que ça vaut le coup d'acheter des pièges? On va quand même regarder s'il a pas une petite catapulte ou un truc du genre. Alors, ah, une boîte de Pandore, c'est pas mal, hein, une petite boîte de Pandore. Moins 10 de morale, cumul de tous les malus appliqués aux héros augmentés de 2. On va prendre ça. Pas cher en plus. Et on est parti pour un nouveau combat. On peut affronter des aventuriers. On gagne un piège. Bon, comme ça. Ou alors des vétérans avec un bonus de maître. Ou alors des vétérans avec un piège et beaucoup d'or. Sachant que les troisièmes là n'ont pas de catastrophe pour nous aider. Donc il faudra qu'on se les fasse à l'ancienne. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se faire un petit truc moral? Sur le moral. On pourrait tenter, hein. 18 de morale. Alors, qui on a qui fait du moral déjà? Toi, t'as une attaque de morale. Toi, non, toi, non. Toi, oui. Toi, non. Toi, non plus. Toi, non plus. Toi, oui. Toi, non. Toi, oui. Et toi, oui. Mais à l'arrière. Elle fait du moral à l'arrière, elle lui fait du moral à l'avant. Il peut faire du moral un peu partout. Et ces deux-là, ils font des morales de zone. Ça veut dire que ça combatte pas trop, trop. Parce que surtout son. Lui, son truc qui fait que ça rebondit sur le héros à l'arrière, là. Ouais. On n'est pas encore vraiment prêt pour vraiment jouer moral. Bon, de toute façon, il y en a qui doivent se reposer. Donc déjà, on va les envoyer se reposer. Ensuite. On a quand même moyen, avec le lutin psychopathe, hein, Manson, de faire des trucs vis-à-vis du saignement. Pourquoi pas. Et on garde une petite combo de nature, hein, sur ce build là. Allez, on va faire ça. On va faire ça comme ça. On va se garder de la flexibilité sur le premier combat. Et par contre, j'hésite, hein, le bonus maître ou le piège. On va prendre le piège. On va tester le piège. On a un petit peu perdu de vie parce qu'on a filé de la vie au percepteur vampire, hein, mais bon. C'est comme ça. Alors, on commence par un piège. Pas mal. Du coup, la boîte de Pandore ne nous sert à rien du tout. On va affronter quoi? Faible à la nature, bon dégâts physiques, remplace une fois ses malus par un bonus, restitue maximum, il attaque à l'avant, lui fait des dégâts de zone et ah, dégâts de feu à l'arrière, merde. J'aurais bien voulu quelqu'un qui ne fait rien à l'arrière. Elle esquive les dégâts des pièges et en plus perte de morale réduite de 50%. Et elle soigne le moral. Et ben on va pas la jouer morale, ça c'est clair. Du coup, bah plutôt nature, hein. Allons-y. Alors, celui qui va être derrière, il va se faire défoncer par des flammes. À la limite, il faudrait qu'on prenne lui en fait. Faudrait qu'on prenne lui, il va quand même avoir l'avantage de mettre du cumul à tout le monde. Ce qui veut dire qu'il nous faudrait Manson pour faire un petit peu des dégâts de zone, mettre du saignement partout, comme ça lui pourrait augmenter à tout le monde vu que tout le monde aurait un truc. Et devant. Devant, on va prendre le comte.
le compte à Minula. Comme ça, vu l'ordre, si on survit... Ouais, moins 20 de nature, il fait 29 de dégâts. Si on survit, il applique poison à celui qui a le plus de vie. Donc ce sera lui. Ça va être tendu. Si on survit... Voilà. On devrait être capable de mettre du saignement sur tout le monde. Lui va faire quand même relativement mal à elle malgré sa résistance. Répandre le saignement. Et puis lui, avec un peu de bol, pourra augmenter encore le saignement. Si on survit. Ce qui est pas dit. Hein. Là, on va faire un petit truc de morale. Surtout pour rajouter du cumul à tout le malus qu'ils auront. Et ici, du coup, à l'arrière, ça va être Shubiti. Clairement, elle est là pour résister au feu. Résistance à la glace. Ah non, c'est à l'air. C'est à l'air. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est à l'air. Du coup c'est nickel, c'est le compte qui est devant, donc c'est parfait. À l'air. Résistance à l'air. Alors il y a elle qui résiste très bien à l'air, mais elle nous sert à rien dans le contexte. Surtout qu'elle fait des dégâts d'air qui vont rien faire ici. Donc on va probablement mettre Pisse-Pousse devant, Grom Lapince au milieu. Et on va essayer de répandre le poison. Et je pense qu'on risque de devoir les finir avec avec Mog là. Voilà, elle esquive, mais au moins ça c'est fait. Ah oui, putain, il perd sa vie, donc oui, bien sûr, c'est pas lui qui a le plus de vie du coup. Et ben c'est parti pour des petits couteaux de boucher. Boum. Allez, résiste. Oh, c'est tendu, non, il a la brûlure, il va crever à cause de la brûlure, bordel. Ah là là, c'est dommage. Allez, la pilule miraculeuse, c'est vraiment tendu à gérer. Hein. Bon, bah, on s'est fait défoncer. Ça c'est dit. On va mettre un coup de fouet enflammé sur elle. Parce qu'au final, notre pauvre piège là va quasiment servir à rien. Ah, s'il a mis démoralisé sur lui. Donc là, il a pris 50 de dégâts. C'est plutôt cool. Allez. Ah mais c'est pareil, Shubiti va crever quoi. Oh putain, le 50% de vie, hein, c'est vraiment vraiment tendu. Hein. Oh là 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 là, ça pique. Ça pique. Ah, here come my dinner. Bon. Ça y est, vous êtes fait plaise. Alors, déjà on va profiter direct de l'assaignement pour gagner 2 PV. Parce que pourquoi pas. Bon, mine de rien là, c'est la première fois qu'il nous sert ce piège, mais il a fait le taf. Hein. Très clairement, il a bien fait le taf. Allez, lui il va crever du saignement, parfait. Elle du coup elle a bien perdu son moral. On pourra la laminer à coup de fouet, je pense. 202 de dégâts physiques. Bah mais du coup on gagne 46 PV, quasiment autant que ce que nous fait de dégâts. Alors ça c'est vrai que ça a changé, hein. Maintenant on gagne, on regagne en vie en basé sur les dégâts réels qu'on fait, c'est-à-dire que c'est la 2 PV, on gagne pas qu'on gagne pas comme si on avait fait 202% de vie quoi. Alors on peut avoir une scie circulaire, une nouvelle boîte de Pandore, un poignard volant. Alors j'aime bien la scie circulaire parce que ça met saignement, c'est un très bon piège à mettre juste avant d'arriver à Mog pour qu'il puisse profiter direct de son soin en cas de besoin. Après le poignard volant, il fait des dégâts devant, saignement 3.
On va prendre le poignard volant, tiens. Je crois que je l'ai jamais utilisé. Ok, on va reprendre les percepteurs ou ingénieurs. On peut améliorer nos pièges. On va améliorer nos pièges plutôt, vu qu'on a quand même pas mal de sous. On va améliorer lui parce qu'on utilise beaucoup. Et le poignard volant. Hop là. Alors, le marchand, non. On a largement tout ce qu'il nous faut. On pourrait faire un petit coup de psychologue pour remonter le moral, mais on n'a pas non plus besoin de fou de ça. On va prendre l'événement. Goltor réclame du sang. Étanché sa soif, il mourra dans le monde des mortels, l'un de ses plus atroces avatars. Invoque un manque aléatoire de type démon, moins 240 de vie en choisissant le rituel. Non, on va lui offrir, on a plein de sang. Qu'est-ce qu'il a invoqué? Oh, il a invoqué Widow. Une tisse d'œil. Dégâts de nature et de morale applique poison à l'avant. Ouh, ça pique. Et dégâts de morale applique terrifié. Ouh, ça pique. Donc ça, c'est une espèce de femme araignée, hein. Je pense qu'on aura tout à fait l'occasion de la voir bientôt. On va prendre le fitness un petit peu là. Alors on pourrait augmenter nos résistances, augmenter notre vie et notre armure. Bah on peut tout faire, hein. Quoique non, on peut pas faire celui-là. C'est pas grave, on gagne un petit peu plus de vie. J'aurais bien voulu de la régène, mais bon, tant pis, on fera avec. Et on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.